Ça, c'est la famille. Venez vous-même écouter Madoka. Ah, maman, c'est déclaration, non, maman. Ça me dépasse seulement. En tout cas, écoutez vous-même. Si nous, on ne décrypte pas les blogueuses comme les Lolo, les blogueuses comme les Fleurs de Lille, tous ces blogueurs bracata de Facebook là. Le blogueur meurt, ok? Maman, je vais dire un big up. Un big up à la blogueuse des blogueuses. La blogueuse au-dessus des blogueuses. J'ai nommé ici la compresseur. J'ai dit la blogueuse au-dessus des blogueuses. Maman, on dit souvent qu'il y a les alliances que tu fais, ça te tire dans la boue. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Compresseur, nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde. Mais ne fais plus l'erreur de faire les alliances. Reste une place. Tu as vu. Tu as vu comment ta vie décolle avec une place que tu as choisie. Tu as vu que beaucoup de gens t'avaient lâché parce que tu étais des Antina. Tu as vu comment depuis que tu es une place, regarde ton ascension. Tu es en train de monter, maman, en force. Tu es en train de monter en force, compresseur. Plus jamais. Plus jamais tu ne t'allies plus aux gens. Plus jamais tu restes une place. Une place, les alliances ont failli détruire ton blog. Maman, tu étais devenu l'ombre de toi-même. Tu étais devenu la risée du monde. Tu étais devenu Mandiata. Regarde aujourd'hui là où tu te trouves. Ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas beau à voir. Quand toi-même tu revois des images de tout ce que tu es en train de faire au Cameroun maintenant. Tu es connue maintenant. Tu es l'une des blogueuses camerounaises maintenant. Tu es connue jusqu'à... Je dis connue jusqu'au palais. Oui. Ce que tu as fait, la CIA, tu s'est déplacé pour venir couvrir, maman. Ça veut dire que tu as les longs bras, hein, compris. On te sous-estime sur Facebook, là, tu as les longs bras. Les gens qui t'encadrent maintenant, reste avec eux. Je ne sais pas si tu es ma petite ou ma grande soeur, mais les gens qui t'encadrent maintenant, les gens avec qui tu es maintenant, reste bango, bango avec eux. Les alliances mbrakata de Facebook, là. Plus jamais. Laisse ça à une autre personne, maman. Tu as passé le ntindaïsme à quelqu'un d'autre. Dieu t'a délivré du ntindaïsme de Flo. Flo est l'ntinda. Ou non, ce n'est pas sur Facebook à taper la boue. 3000 personnes connectées. Non. Quand dit Nomba Uno, c'est ça là. Nomba Uno, c'est ça là. Ce qu'on voit là, c'est ça. C'est ça, les actes, maman. Les actes. La mobilisation de ça derrière toi. Et je veux faire ici là un grand big up à un grand homme. Un homme au-dessus des hommes. Un homme valable. J'ai toujours questionné ce monsieur. Mais plus que jamais, je veux faire un big up à ce grand homme qu'on appelle Raymond Tchenga. Je n'ai jamais appelé son nom sur Facebook. Ok? Mais aujourd'hui, je dis, je donne un grand big up à monsieur Raymond Tchenga. Et je vais vous dire pourquoi je donne le big up, je donne le crédit, je donne le tchakap à ce monsieur. Un homme qui est resté droit avec sa fille. Plus de 7 ans sur Meta, sans trahison. Une place avec Compresseur. Malgré les hauts et les bas, il est resté une place avec Compresseur. Je donne le tchakap, il n'y a pas son deux sur Meta. Tous ceux qui, quand on dit que les hommes de Meta là, ils ont déjà tourbillonné. Parti à gauche, revenu à droite. Parti comme ça, revenu pour la Stamania. Monsieur Raymond Tchenga est resté une place avec Compresseur. Même quand c'était grave sur Compresseur, que Compresseur était au sol. Raymond Tchenga a dit que tu es ma fille. Aujourd'hui, demain et après-demain. Malgré les Congos, malgré les déstabilisations de Facebook, malgré, il est resté une place avec sa fille Compresseur. Monsieur Raymond Tchenga, je veux vous dire ce soir que vous êtes un grand homme. Quand je vous ai vu hier accompagner Compresseur à la prison centrale, j'ai failli couler les larmes. J'ai dit qu'on peut être fidèle en amitié comme ça. On peut être fidèle en amitié. Je suis resté, j'ai dit qu'il y a encore des gens comme ce monsieur, mais je décrypte. On va commencer par le père Messan. Le père Messan a déjà tourbillonné sur Facebook jusqu'à... Il était avec Fleur de Lille, ça n'a pas donné. Il a tourbillonné, il est parti avec Lolo Fondia, ça n'a pas donné. Il a tourbillonné, il est parti avec Compresseur, ça n'a pas donné. Il a tourbillonné, il est avec Nadège Mbappa, ça n'a pas donné. Il a tourbillonné, il lance encore les fleurs à Lolo Fondia. Elle est là, il tourbillonne encore, il lance encore les fleurs à Fleur de Lille. Jamais, président Raymond Tchenga, il n'a jamais trahi Compresseur. Il n'a même jamais dit qu'il se rapproche même de Flo avant de glisser. Il n'a même jamais dit qu'il se rapproche même de Lolo avant de glisser. Il n'a jamais dit qu'il se rapproche même de Ngomopion avant de glisser. Jamais. Il est resté une place avec sa fille, Compresseur. Une place. Il est loyal. Il a reconnu que quand j'ai été attaqué, la première personne qui est sortie, pas parce que j'avais quelque chose à lui donner, mais par amour, elle a dit que jamais, pas le président de la diaspora, pas le président Raymond Tchenga, elle a pris sur elle de soutenir ce monsieur. Il n'a jamais oublié ça. Contre vents et marées. Il est avec elle. Contre vents et marées, il est avec elle. On va partir maintenant sur la deuxième personne. On passe sur une autre. Président où c'est Eboabala. Vous avez le tourbillonnage. Le président de Lolo, Eboabala. Du jour au lendemain, par là, pour la visibilité, la Stamania, il a déjà largué Lolo. Il est déjà chez qui? Chez Fleur de Lille.
Maintenant que Floyd est rentré chez son président, il va faire comment? Elle aura deux présidents. Floyd fait sortir, tu nous dis l'affaire ici. Parce que nous, les paparazzi, nous, on veut comprendre. Comment tu vas te positionner? Parce que tu disais hier que le président Eboabala, c'est ton président. Maintenant que tu es rentré chez ton vrai président, ça va se passer comment? Tu as deux présidents maintenant, Floyd, fais la sortie. Fais la sortie, tu viens nous dire, nous les mandons Japap, on veut savoir la vérité. Si tu as l'intention d'avoir deux présidents dans la diaspora, connaissant le président Mokile Tchere, je n'aime pas partager sa stamania. Tu auras à choisir, hein. Tu auras à choisir. Et quand je te connais aussi que tu es mamie Nkap, tu ne vas pas hésiter à choisir président Amout. Parce qu'avec président Amout, le Nkap sort facilement, hein. Avec président Amout, le Nkap sort. Donc tu vas larguer et Voibala à la première occasion. Ça c'est clair. Parce que quand je mets président Amout, je mets et Voibala, je ne vois pas celui. Je ne vois pas la balance, hein. Donc comme je te connais que tu aimes ou qu'on cap. Ça ne va pas te coûter une seconde pour larguer l'autre président, le président là, et rentrer chez ton président. Hein? Vous avez vu, non? Voilà le président Eboabala, maman il a tourbillonné entre les deux blogueuses. Hein? Parfois, c'est Mbopi aussi voulait récupérer le président. Oh, mon président. Après, elle a vu que Mafo a pris, elle a laissé à Mafo. Donc, il a déjà eu trois tourbillonnages. Il y avait Lola, après Lolo, Mbopi, après Mbopi, Flor de Lille. Voilà. Maintenant, on va chez président Amout. Hey, maman, le cas de président Amout, alors maman, le tourbillonnage de ça. Président Amout, il a fait le tour de Facebook. Président Amout a tourbillonné dans tout Facebook. Pardon, c'est le, je décrypte, je ne vous cache pas moi. Président Amout a dit qu'il a tourbillonné. On commence à citer mes gens. On cite. Qui amène président Amout? Qui commence l'affaire de mon président? Qui commence l'affaire de mon président? C'est Flor de Lille. Wow, 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 président. Wow, 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 mon président. Wow, 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 mon président. Wow, mon président est monté. Mon président est descendu. Quand ça attaque entre eux, qui a récupéré? Patricia Gemel. Yuru 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 mon président yuru 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 mon président yuru 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 après Patricia Gemel la reine Mebi aussi yuru récupéré oh mon président oh mon président oh président Amout prépis un poste président Amout pas devant un poste président Amout pas derrière un poste oh la première dame oh le ma, oh, machin au oh, président au oh, pré oh 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 maman jusqu'à moi mais j'ai dit à Lolo que vas-y doucement ya yeah. C'est quoi comme ça quand tu as tes combats ici je ne vois pas ces gens là faire même un poste pour te soutenir je suis la seule à donner ma poitrine vas-y doucement wow 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 oh, maman ne respirait pas toujours comme un foie fait avec Flor là yuru 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 mon vieille femme comme ça qui font l'apologie d'un jeune couple maman parfois j'ai demandé que le président me donne que quoi à tous ces vieilles pots aussi pour qu'elle pas te faire l'apologie d'un jeune de deux jeunes un jeune couple est-ce que le président a 50 ans il a 50 ans est-ce que Jaguar a même 45 ans maman venait yugo 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 et les seins de ça oh et les narines de ça oh et les quoi 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 maman chacun portait sa part pour venir poser sur Facebook oh le coq n'a pas chanté trois fois président Amout a abandonné tous ceux qui étaient derrière lui que yugo 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 c'est Mafo qui chante c'est elle qui chante maintenant c'est Mafo Patricia Gemel avec sa main pour mettre à la tête Reine Mebio a commencé les classes elle a dépassé elle a déposé les armes hein il est maintenant chez qui chez Flor de Lille. Oh, le baby shower, oh, oh le voix bébé, oh, oh, l'anniversaire de Brandon, où c'est dit là, non? L'argent. Tata Lolo, on te donnait l'argent ou quoi? Parce que Tata Lolo voulait lui demander l'affaire si. C'est pourquoi quand elle partageait ces choses-là, elle faisait ça. Moi, je ne me mêlais pas de ça. Elle dit que non, si tu as tes contrats là-bas, qu'on te paye. Moi, je ne vais pas venir entrer dans quelque chose que je ne connais pas. J'ai dit que c'est quoi? Mais genre, on les paye seulement ou quoi? On les paye. C'est sûr que le président Amout donne beaucoup d'argent. On est en train de raser les murs. Avec les Patricia Gemel. Maman, ils sont en mode quoi? On les a déposés en plein carrefour. Le président Amout a déjà oublié que c'est les filles qui ont donné les poitrines quand il était encerclé par Flor de Lille et ses abeilles. J'ai dit que le coq n'a pas chanté trois fois. Il les a régnés. Sans voir les coups qu'ils ont pris. Sans voir les humiliations qu'ils ont pris. Sans voir les insultes qu'ils ont pris. Ce que je vous dis aujourd'hui, j'ai appelé le président Amout. J'ai parlé avec le président Amout. J'ai dit qu'on ne fait pas ça dans la vie. S'il est sincère, il va venir vous dire. J'ai dit qu'on ne fait pas ça dans la vie. Ces femmes que tu veux déposer aujourd'hui, parce que tu avais Flor de Lille. N'oublie pas que tant que tu étais encerclé, elles ont bataillé pour toi. Elles ont mouillé le maillot pour toi. Même si tu veux te réconcilier, vas-y doucement. Vos réconciliations, bête, quand les gens ont donné la poitrine pour vous venir narguer les gens là, c'est pas bien. J'ai parlé de ça au président Amout. J'ai dit que pense à ceux-là qui ont donné la poitrine pour toi hier. Il n'a plus pensé. J'ai eu pitié de Patricia Gemel. Qui a chanté enfant prodige. Le coq n'a pas chanté trois fois, on l'avait largué comme une vieille chaussette. Si vous dites que je n'ai pas eu mal pour Patricia Gemel, et Flor, vous connaissez Flor avec la récupération, non? Flor les narguait. Quand elle s'est rencontrée avec président Amout, pourquoi que tous les lives qu'elle faisait à président Amout, là, c'était pourquoi? C'était pour narguer les Patricia Gemel avec les reines Mebi, tous ceux qui ont soutenu. Est-ce que président Amout peut faire ça? Vous allez faire comme ça là. Moi, je demande aux gens de ne plus acheter les problèmes des gens sur Facebook. Arrêtez ça. Quelqu'un a ses problèmes. Il a président Amout là. Lolo, que moi, je dis plus jamais. Que je dis plus jamais, je ne vais acheter les problèmes de quelqu'un pour me retrouver avec la honte. Plus jamais dans l'histoire de Meta. Je ne pourrais plus. Je peux faire le buzz sur une histoire. Mais dis que moi, Dorcas, je vais venir acheter les problèmes. Plus jamais. J'ai eu mal pour la reine Mebio. J'ai eu mal pour Patricia Gemel.
j'ai eu mal, j'ai senti ma douleur. J'ai dit que Facebook peut être comme ça. J'ai parlé avec le président au téléphone. Je lui ai dit qu'on ne fait pas ça. Si le sensei va vous dire, c'est que moi je n'enregistre jamais les gens. Je ne connais pas enregistrer. J'ai parlé avec lui. Je lui ai appelé au téléphone. J'ai dit que ce qui se passe là, c'est laid à voir. Je vais faire le buzz. Un problème vient sur Facebook, je fais le buzz. Je décrypte, mais je n'achète plus. N'achetez plus les problèmes des gens. J'ai vu comment on a encerclé. Bon, je vais dire ça pour dire que le meilleur des présidents de Facebook, c'est le président de Compressor. Compressor, tu n'avais pas mal choisi. Tu as choisi le cœur du ballot. Tu as choisi l'homme au grand H. Qui n'est pas trop vulgaire même sur Facebook. Qui ne se pavane pas sur Facebook. Qui est même effacé sur Facebook. Il n'y a que les petits buzz souvent quand on amène son nom sur Facebook. Mais Compressor, je vais te dire ce soir que Raymond Tchenga, c'est un vrai père pour toi. Ce n'est pas les pères virtuels. Reste avec lui une place. Mes alliances machiavéliques sur Facebook, ne fais plus ça. Tu as failli te détruire. Ton blogging a failli prendre. Ton blogging a pris un coup pendant près de 4 ans d'alliance. Regarde à moins de 6 mois que tu es sorti de ces alliances. Regarde là où tu es aujourd'hui. Tu as vu? Ça doit te servir de leçon. Ça doit te servir de leçon. Reste une place. Même si tu es en. Je dis que reste avec ceux que tu es là. Ils t'encadrent bien. J'ai vu ce que tu as fait à la prison de Déa. Et je te dis félicitations. J'étais l'une des personnes qui t'a combattu sur Facebook. Tu as compris, mais quand c'est bien, il faut le reconnaître. Je ne suis pas de ceux là que ils ont tout le monde a vu le bien, mais vous voyez comment chacun fait vu ignorer. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas parler, c'est le Oswan. Non, moi je dois dire la vérité. Moi je ne connais pas le Oswan. Non. Quand c'est bien, je viens dire que c'est bien. Il n'y a pas de honte à reconnaître que quelqu'un a bien fait. Mais le Oswan ne peut pas les permettre de venir dire ça. Tellement ils ont honte dans les maisons. Elles ont cru que tu allais taper pour tout. Mais aujourd'hui, on voit que tu es encadré par des vraies personnes. On sent que tu es encadré par des vraies personnes. Et tu m'inspires tous les jours. C'est la honte qui fait que tu vous voyez la toile faire vue ignorée. C'est la honte. Parce qu'il y avait tout un camp de combat. Aujourd'hui, que là, c'est comme un coup de poing que tu as donné en plein visage. Ne tout. Chacun est KO. C'est comme si elles ont bu le fofo. Mais comme moi, je ne bois pas le fofo. Comme moi, je n'ai pas honte à venir dire que quand c'est bien, je viens reconnaître. Je peux te clasher. Mais quand c'est bien, je viens d'abord dire que non, c'est ce coup-ci, tu as réussi. C'est ça l'éducation des Américains. Okay? Les Américains ne sont pas hypocrites. Quand c'est bleu, quand c'est rouge. Lolo, ça n'enlève rien sur toi. Ngomopion, la honte va te tuer dans la maison. Ngomopion et sa bande. Sortez, venez dire que c'est bien avant de continuer le clash. Sortez d'abord, venez dire que c'est bien. Je vous somme. Je vous somme de sortir, venez d'abord dire que c'est bien. On peut continuer le clash après. Je peux clasher Pépéti après. Mais sur ce coup-ci, sortez, venez apprécier. Maman, les problèmes des gens. J'attends tous ceux qui vont venir acheter mes poids avec le loup. Voilà Ngobapa qui rase les murs maintenant. Le clash lui a dépassé. Elle a fui. Ngobapa, tu vas revenir. Tu n'as pas encore fini le clash avec moi. Tu as compris quoi, Ngobapa? Tu n'as pas encore fini le clash avec moi. Tu crois que c'est fini? Je vais entrer dans tes côtes. J'ai dit qu'à ma team et à tous mes alliés, j'ai 3 cibles sur Facebook que je vous donne. Le reste là, je m'en occupe. Parce que le reste là, je fais deux. Je dis que je les utilise comme mon cuidant. Mais je n'ai pas le temps de m'occuper des nyama-nyama là. Comme les ngomopions, quoi coucou là, que Flo a lagué depuis. Elle pleure dans toutes les pages là. Vous vous occupez de ces 3 cibles. Ce sont les. Voilà la liste que vous ai donnée. Voilà. Du camé, tu es la bienvenue. N'achète plus les problèmes des gens. Tu prends les coups. Maintenant là, je vois comment on a été framponné chez. Où c'est qui là le gars là, j'ai oublié son nom. Personne ne te défend. Lolo ne fait même pas une sortie pour dire que non. Du camé, machin, rien. Mais 1, 2, 3, 4, tu peux porter les problèmes. Après, on vient te framponner. Maman aimée, donne-moi un peu mon téléphone. Il paraît que quelqu'un m'a envoyé un message sur WhatsApp. On me demande de regarder. Il y a une personne de la team des USA qui m'a demandé de regarder mon WhatsApp. Alors, il faut arrêter un peu. Arrêtez d'acheter les problèmes des gens. Le corps ne chante pas 3 fois. Ils vous ont abandonné au carrefour. Vous ne retenez pas de vos erreurs. Vous ne retenez pas. Mais la semaine, maman. Vous ne retenez pas de vos erreurs. Les mêmes erreurs tous les jours. Toujours acheter les problèmes. Hé hé! Maman Corinne m'a envoyé l'argent. Oh. Le goût de ça, je ne vous donne pas le montant. Allez pleurer. La team de US, c'est la team gagnante. Voilà. Oh maman. Oh. Maman, vous allez voir comment. Elle vous donne pas le montant. Même envoyer les dos. Voilà ça. Voilà. Vous montez comme ça. Hein. Ne vous montez pas. Merci à toi, Corinne. Corinne de USA. Je dis que la nurse au-dessus des nurses. Elle au Maryland. Vous dites quoi? Que la team de USA a fait quoi? Vous voulez parler de la team de USA? Hein, je suis avec ma team, la maison des 3. Les 3 personnes là, représentent 100 000 personnes dans les teams. Parce que les dos que je reçois, maman, quand mon général en chef, elle dit qu'elle me saigne les dos, ce n'est pas le. Quand j'ouvre comme ça là, moi je tombe évanoui avant de me lever. Ce n'est pas le. Rien que Sylvie Mbakop à moi, ce que je prends, comme chèque que Facebook me donne, Sylvie Mbakop.
avez compris? C'est ma team. C'est ma team. Gérez vos teams. Gérez vos teams, Brakata. Pardon, ma paix. Laissez-moi avec ma team. Laissez-moi avec ma team. Oh. Respectez vos teams. Je respecte la team qui me respecte. Allez à Dieu, c'est la team de ma pépé me respecte. Je vous respecte. Ok? Et je vous donne le tchaka pour ce que votre patronne a. Elle vient de donner le coup de poing sur le visage de toutes les blogueuses, y compris moi-même. Ok? C'est un message fort. Et elle a dit que j'appelle toutes les blogueuses à utiliser de leur visibilité pour venir au Cameroun faire des actions. Maintenant, ils ont encerclé la Rose 237 qui s'est battue comme elle a pu. Ok? La Rose 237 s'est battue comme elle a pu pour sortir de la griffière. Ce n'était pas facile. Vraiment, elle a mouillé le maillot. Elle a fait ce qu'elle a pu. Pour réouvrir la gueule de Pasteur Mimbang et toute sa bande. Hein? Ils ont fait tout un procès qu'il fallait qu'elle vienne me clasher. Elle va me clasher que j'ai quel problème avec elle. La Rose a compris. Okay? Chaque fois qu'elle a eu les clashs avec moi, c'est parce qu'elle voulait acheter les problèmes des gens. Elle sait que moi je suis ouverte. Que moi je ne dis pas dans mauvais rêve. Quand je n'étais pas provoqué, tu me provoques, je m'assois sur toi. Hein? Sur ce perdu, sur ce raté, sur ce irresponsable qui vient à Mondo Vision lancer les lives pour qu'on insulte ton enfant. Avec ses soi-disant mamans. Mettre la caméra pour qu'on donne, on fasse un procès à son propre sang. Pour qu'on insulte son enfant avec les soi-disant mamans qui ont les enfants dans les maisons. Moi, Dorcas, je vais ouvrir ma caméra pour que les gens montent pour insulter mon enfant que j'ai accouché. À rejeter. Jesus name. Il faut seulement un voyou, un irresponsable, un perdu, un raté de la pire des espèces pour poser ce genre d'acte. Donc, si ton enfant fait des dérapages, tu vas venir lancer la caméra pour insulter ton enfant de 17 ans. Un vieux père de plus d'une cinquantaine d'années. Les dents pourries par toi à la bouche. Les asticots sortent même dans les trous pourris. Plus de 20 ans, les dents sont pourries comme un mangeur de goro. Comme un mangeur de goro. Un benguis qui a les dents pourries. Un tapeur de départ. Nous sommes les paparazzis. Tata Lolo, si tu ne connais pas ce qu'on appelle paparazzi, je te conseille d'aller te renseigner, ok? Les paparazzi, effectivement, sont ceux-là qui fouillent dans les caleçons des stars, qui fouillent dans les caleçons des personnes publiques, qui fouillent dans les strings des personnes qui ont la visibilité. Ils vivent de ça. Leur blogging fonctionne en fonction de ça. Donc, quand ceux qui ont la visibilité font des erreurs, les paparazzi récupèrent. Ok? À partir d'aujourd'hui, arrête de te plaindre. Arrête d'aller de lave en lave, pleurer ta vie. C'est pourquoi je t'ai dit hier que tu n'as pas de. Tu n'as personne pour venir faire ce travail à ta place. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours toi qui dois aller dans les lèvres pleurer les larmes de ta tête? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que tu vois Flore faire ça, en fait? Mais quand tu marches avec quelqu'un, tu peux aussi prendre du bon exemple. Tu vois Flore dans les lèvres la nuit, dans les lèvres du noir, en train de. Elle va dire que, oh, on l'appelait Kellen Tinda. Elle va dire que, oh, on l'appelait Kellen Tinda. Voilà celle qu'on a lutté sur Facebook pour qu'elle monte au sommet des sommets. Qu'elle se retrouve là où ma pépé est aujourd'hui. Elle a fait tout dans le noir en train de reconnaître qu'une autre blogueuse, c'est une légende. Si Flore Delis est légende, toi, tu es quoi? Tu es la blogueuse rétrograde. À partir d'aujourd'hui, tu es la blogueuse rétrograde. Parce que tu as rétrogradé. Ok? Au lieu de monter là où on t'avait amené au sommet, tu as rétrogradé à partir d'aujourd'hui. Tu es la seule et l'unique blogueuse rétrograde de Facebook. Donné. Ça ne peut pas donner. Il faut te revoir. Ok? Il faut revoir. Et c'est la même chose que tu as fait avec ton mari pour qu'il parle. L'impolitesse là, c'est ça. Ce côté-là, tu dois travailler, ça, tu as un sérieux problème. C'est comme moi, Madokas. Maman, il dit qu'il y a tout sur les réseaux sociaux. Elle dit que oh, quand elle avait compris, ça, quand vous êtes parti faire les dons, maman, elle pleurait dans son cœur. C'est la partie là que je m'interroge. Elle dit que non, le diable, vraiment, non. Ça vient en Prada. Hé, hey, maman, jusqu'à dire que quand Prézi Amo a fait la paix avec Flore, elle avait pitié de Reine Mère Bio, qu'elle-même là, son cœur saignait dedans. Hé! Hey. C'est la partie là que j'ai dit que pendant maman, ce n'est pas la merci que la période que Président Amota fait la paix avec Flore Delis. Elle était alliée avec les Lolo Fodja, la période elle était alliée avec les Nadège Papa. Donc à l'heure là, donc elle était comme ça avec eux, mais dans son cœur ça chauffait. Donc dans son cœur, elle n'était pas fière que Président Amota fait la paix avec le fier de Reine Mère Bio. Mais pourtant la période elle framponnait Reine Mère Bio. Non, c'est dire, on peut être bipolaire comme ça. On peut être tripolaire comme la messe. Non, je confirme vraiment que non, la malégende des réseaux sociaux, non. Hé, hey, maman, la bipolarité, non, ça ne laisse personne. Ah, maman, oh. Maman, jusqu'à parler à parle ça. Jusqu'à faire les éloges au président Raymond Tchenga. Jusqu'à dire que, oh, parle ça, il y a tout bionné. C'est la partie là qu'elle dit que non, Madokas, qui es-tu? Hmm? Qui est vraiment, quand on parle, non, qui es-tu réellement dans le Cameroun? Tu es uniquement là pour connaître les terres. Donc maintenant, la team que tu gagnes, c'est t'es cassé. Ah, on a vu ton jeu. Donc, comme tu vois que Composé est parti faire les dons, ça a réussi. Maintenant, tu dis que non,
tu cherches là où tu vas aller t'accrocher, maintenant tu fais les éloges à compression, mais c'est quand même plus, c'est que toi-même tu reconnais que non, tu n'as jamais apprécié compression, tu penses que compression elle-même là, tout ce que tu as parlé, la compression va gober ça, et c'est l'office que tu es fausse, oui, tu n'es pas clair à travers tes propos, pourquoi? Parce que actuellement, c'est parce que tu regardes maintenant, tu vois que non, les amis t'ont tourné le dos, les lois t'ont tourné le dos, maintenant tu cherches un peu à aller gratter maintenant du côté des TKC, en tout cas l'oiseau a vu, en tout cas vous avez écouté comme moi, non? Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.